Aurélien Pradier, Troublant, un livre sur l'homme dont la communication sur son travail d'avant la députation ne correspond pas à sa déclaration à la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Aurélien Pradier est apparu dans mon paysage politico-social en 2008. J'étais attentif à toute voix non inféodée à nos petites baronnies prétendues de gauche. Il devait révolutionner notre vie politique, dynamiser le département. En s'agitant et obtenant des soutiens nationaux, il s'est simplement débarrassé des anciens de son camp. Roumégou, député de 2002 à 2007, et Martignac, conseillère régionale 2004-2015, pour s'asseoir, Monsieur Pradier, à la place éligible des régionales et miser sur l'alternance législative, ce qui fut le cas. Je croyais réaliser un rapide fascicule sur le député de mon CUC en brodant sur son ridicule mensonge à 21 ans ou 22. Je devenais le plus jeune conseiller général de France. J'ai pas forcément l'accent Pradier. Et son entraînement dans la recherche d'un terme pour discréditer. Vous êtes un clown, précédant le comédien contre Macron et Darmanin, puis wokiste à Rousseau. Mais la découverte de sa réécriture de son activité professionnelle m'a entraîné dans un véritable bouquin. Sa cloche chez Pradier, communication, sûrement par la conscience de l'incongruité à prétendre donner des leçons sur le travail avec un tel passé. De qui Aurélien Pradier était le nom? Comment peut-on à ce point falsifier sans susciter de réaction, même chez ses prétendus adversaires? Un bouquin disponible en papier à 15 euros pour 196 pages et en numérique. Ma petite présentation était en lecture presque de la quatrième de couverture.